La flamme, c'est la passion. Si tu as perdu ta passion, tu as perdu ton sens artistique. Nous sommes tous des artistes. Il suffit de réanimer cette envie, cette folie, cette fantaisie qui est en toi. Faut penser que l'art, avec un grand A, l'artiste, c'est avant tout le reflet de sa propre créativité. C'est simplement savoir se servir de tous nos sens pour pouvoir en faire une toile, balancer son coup de crayon, balancer son coup de, je sais pas, son coup de génie. On est tous des génies. Faut arrêter de penser qu'il y a des êtres qui sont plus exceptionnels que d'autres. Nous sommes tous à notre niveau des êtres exceptionnels. Il faut simplement faire ressentir ce potentiel qu'on a tous à l'intérieur de nous et le faire connaître. Quoi qu'en disent les autres, quoi qu'en pensent les autres, suivre sa propre ligne de conduite, ça c'est très important. Tu peux être sous l'influence de tes parents, de ta famille, évidemment de tes amis, parce que plus ils vont être proches, plus ils vont te toucher dans leurs propos. Mais quand tu sais au fond de toi que tu as la conviction, que tu as l'envie, que tu as la certitude que ce que tu fais, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a plus personne qui peut se mettre au milieu de ton chemin. Plus personne peut t'arrêter parce que toi-même, tu sais au fond que c'est vrai, que c'est juste. Tu pourras être accusé de tout à partir du moment où tu réussis parce que on peut te blâmer, on peut parler sur toi, on peut faire en sorte de te critiquer. Mais tout ça, c'est simplement le reflet de ta réussite. Le fait que ton chemin commence à grandir et que tu grandis par la même occasion. Je crois qu'il faut que tu suives ton cœur, ta propre intuition, ton envie, et tu ignores totalement, mais totalement, le regard des autres. Sans ça, comme 90% de la population, tu vas finir comme un oiseau en cage. Tu vas essayer de t'envoler, mais tu n'y arriveras jamais. Pour t'envoler, déployer tes ailes, suis ton intuition, crois en toi, crois en ta magie, en ton pouvoir, et tu verras, tu pourras réussir à faire la différence entre toi et ce qu'on pense de toi. Aime ton art, aime ce que tu fais, valorise-le aux yeux de tous, montre-le, expose-le, c'est très important. Plus tu vas faire en sorte d'être reconnu à travers ton art, plus tu vas trouver une forme de sérénité en toi. Quelque part, tu pourras aussi contribuer à la réussite de la société. Même si elle est un peu trop capitaliste, certes, je te l'accorde. Même si parfois, la politique te gaffe totalement et t'as envie d'envoyer tout péter. Mais quelque part, tu vas créer des richesses à travers ton art. À travers ton envie de créer. Tu vas créer des emplois. Tu vas rendre des gens heureux. Puis, au-delà de l'art, au-delà de la réussite, continue à transmettre, à aider ton prochain, celui que tu vas aider, que ce soit un pauvre, que ce soit une personne en difficulté, essaye de la considérer comme ton frère, comme ta sœur, comme un membre de ta famille. Ça va totalement changer ton regard sur elle, sur lui et sur toi-même. Et surtout, quand tu vas lui parler, quand tu vas juste communiquer avec lui, essaye de le tirer vers le haut, essaye de l'aider à grandir. Et en conclusion, si tu crois vraiment en toi, si tu crois vraiment en tes capacités de créer, si tu crois vraiment en tes convictions, à n'importe quel niveau que ce soit, petit, gros, moyen, tu peux changer le monde.